Cela fait plus d'un an qu'elle a fait cette révélation bouleversante. La journaliste Laurie Delostal avait dévoilé son combat contre un cancer du sein dans un post Instagram en novembre 2022. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler, mais j'avais envie de parler, avait-elle déclaré à l'époque. Dès le verdict annoncé, la mère de famille de 43 ans avait débuté les soins et les divers traitements pour tenter de vaincre cette maladie. Elle avait ajouté, faisant preuve de positivité, « J'ai tout de suite trouvé des avantages, comme le une chimio égale un cadeau. » Le premier, c'était un bonnet. Pragmatisme. Ce vendredi 12 janvier, la compagne de l'ancien rugbyman Pierre Rabadan a posté une série de clichés sur Instagram pour annoncer une bonne nouvelle. En légende notamment d'une photo où on la voit les mains écartées, elle a écrit « Ça, c'est la taille de ma joie depuis ce matin, car aujourd'hui, j'ai eu ma dernière injection en service de chimio. Je vais passer en mode contrôle régulier et médicaments tous les jours, mais c'est fini. » Et la journaliste de France Télévisions d'ajouter entre joie et pointe d'humour, « Adieu petit crabe de malheur. » Du coup, le « une chimio égale un cadeau » a dérapé. On reste humble face à la maladie et à la récidive, mais on fête ça bon sang. Les internautes ravis pour Laurie Delostal très vite, cette bonne nouvelle a été saluée par de très nombreux internautes. Entre ceux qui ont appuyé sur le bouton j'aime et les dizaines de messages, Laurie Delostal a pu mesurer à quel point son combat avait marqué ceux qui la suivaient au-delà. On est un peu très contente, la plus grande des warriors que je connaisse. Les contrôles réguliers font du bien psychologiquement et, finalement, les médocs quotidiens deviennent une routine sans trop de contraintes. Très heureuse pour vous, merci à vous, je me suis sentie moins seule grâce à vous, bravo pour votre courage et votre ténacité. Votre énergie et votre morale d'acier plus l'humour et l'autodérision, ont vaincu cette foutue maladie. Ou encore danse de la joie, larme de joie, sayonara cochonnerie de maladie. Moi je dis, un contrôle régulier tout bon égale un cadeau. Il ne faudrait pas perdre les bonnes habitudes. Des bisous doux, ont-ils écrit, visiblement heureux pour la maman d'une petite fille. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Agence Panoramique.